Lorsqu'on s'engage comme policier, on met sa vie en jeu. Et lorsqu'on s'engage comme policier au Mexique, pour lutter contre les puissants cartels de la drogue, on met vraiment sa vie en jeu. Un individu qui a fait son devoir a été brutalement exécuté en public. Il semble qu'il ait été tué en représailles de son rôle dans l'arrestation d'un membre important du cartel, Ovidio Guzmán López, le fils de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Mais est-ce tout à fait exact? Dans quelle mesure a-t-il été impliqué dans l'arrestation? Plus on entend parler de cette affaire, plus elle devient choquante. Je vais explorer le destin tragique du policier qui a apparemment arrêté le fils d'El Chapo. Eduardo Triana Sandoval. Le défunt a été nommé Eduardo Triana Sandoval, bien que lorsque le meurtre a été annoncé en 2019, les autorités l'ont désigné simplement par son prénom. Leur déclaration officielle se lit comme suit. Le secrétaire à la sécurité publique de l'État regrette la mort d'un membre de la police de l'État, Eduardo, qui a perdu la vie ce mercredi dans la capitale de Sinaloa. Il ajoute qu'il offre sa solidarité aux amis et à la famille de la victime. Il s'agissait manifestement d'un collègue respecté et d'un agent de la force publique. En fait, Sandoval était membre d'une unité d'élite de la police de l'État, chargée de protéger le sous-secrétaire à la sécurité publique. Pour souligner l'importance de ce décès, le sous-secrétaire lui-même s'est rendu sur les lieux après la tragique nouvelle. M. Hernandez Leiva était accompagné de son chef, M. Cristobal Castañeda Camarillo. Sandoval était âgé d'une trentaine d'années, avec des rapports contradictoires sur son âge exact. Il était entré dans la police en 2013 et sa carrière a donc été tragiquement interrompue. Je reviendrai bientôt sur les détails de son exécution, mais pour l'instant, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un officier courageux qui s'était donné du mal pour servir les forces de l'ordre. Quant au rôle joué par Sandoval dans l'arrestation d'Ovidio Guzmán López, je m'apprête à en parler. Le fils du célèbre baron de la drogue El Chapo a été arrêté par les autorités en octobre, un mois avant que Sandoval ne trouve la mort. L'arrestation n'a pas été simple et a donné lieu à une effusion de sang le jour même et à des répercussions présumées par la suite. Voyons ce qui s'est passé lorsque les militaires ont cru avoir capturé Ovidio Guzmán López. 2019, arrest. 17 octobre 2019, la ville de Culiacán, au nord-ouest du Mexique. C'est la capitale de l'État de Sinaloa, un nom associé bien sûr au redoutable et mortel cartel de Sinaloa. Les militaires ont ciblé le quartier de Trerío, où une personne d'intérêt a été localisée dans une maison. Ovidio Guzmán López est la personnalité la plus en vue qui a été localisée dans ce quartier houppé. Grand nom du cartel de Sinaloa, on peut dire qu'il a les affaires dans le sang. Tout comme Guzmán Senior a son surnom de El Chapo, ou Shorty, son fils a lui aussi un surnom. Il s'agit de El Raton, qui se traduit en anglais par The Mouse, la souris. Quoi qu'il en soit, ce qui aurait dû être une victoire pour les militaires s'est soldé par un désastre. Je vais vous expliquer comment la situation explosive s'est déroulée et comment Eduardo Triana Sandoval s'est retrouvé impliqué dans ce drame. Comme le décrit le site web du Daily Mail, Guzmán López est détecté dans la propriété à 14h. En moins d'une demi-heure, les autorités encerclent les lieux. Jusqu'à 15h, l'opération semble terminée. Des coups de feu proviennent de la maison, soutenus par des membres du cartel qui se trouvent dans les environs. Cependant, à 15h15, Guzmán López se livre à ses ravisseurs. À un moment donné, il est à genoux. Et il doit sembler que la partie est terminée. Mais ce n'est pas le cas, loin de là en fait. La violence éclate. Alors qu'une figure emblématique du cartel est arrêtée, la ville résonne du bruit des coups de feu. La situation devient incontrôlable, les Sinaloa faisant clairement savoir qu'il y aura du sang à payer si les autorités s'emparent de l'un des leurs. Guzmán López aurait reçu l'ordre d'appeler son frère Iván Archivaldo Guzmán pour tenter de mettre un terme à la violence. L'appel est passé, mais les choses prennent une tournure vraiment désagréable. Ces gens-là n'ont pas l'intention de jouer le jeu. Pendant ce temps, des rapports font état d'un chaos dans les rues, avec des soldats du cartel qui s'en prennent à des militaires. Des informations font également état d'une évasion de prison. La police a manifestement besoin d'aide. Eduardo Triana Sandoval est à l'écoute de ces informations. Il n'est pas censé travailler ce jour-là, mais il est néanmoins contraint de se rendre sur les lieux. On raconte que Sandoval n'a pas participé directement à l'arrestation d'Ovidio Guzmán López, mais qu'il était chargé de faire le guet et qu'il s'est rendu à la prison où l'on disait que des détenus s'étaient évadés. Une citation tirée de l'article du Daily Mail me paraît intéressante, mais aussi effrayante. Elle se lit comme suit. Sandoval a déclaré que le chef de l'équipe avec Guzmán López s'était vu offrir 3 millions de dollars pour le laisser partir, mais qu'il avait refusé et qu'on lui avait alors dit que le cartel le tuerait, lui et sa famille. Les hommes ont été informés, en termes très clairs, qu'il y aurait des représailles vicieuses si Guzmán López était placé en garde à vue. Le chaos s'est répandu dans toute la ville, avec des prises d'otages. Au total, 13 personnes perdront la vie avant que les choses ne soient enfin résolues. Comment ont-elles été résolues? Pas à la satisfaction des militaires, c'est certain. Guzmán López était libre bien avant la fin de la journée. Et, à ce qu'il paraît, il n'avait même pas été placé en cellule. Que s'est-il donc passé? Une intervention a eu lieu au plus haut niveau afin d'étouffer la violence et d'éviter de nouvelles pertes humaines.
Lorsque la fumée s'est dissipée, le président Andrés Manuel López Obrador a fait une déclaration. Il a déclaré « Des décisions ont été prises. Des décisions ont été prises que je soutiens, que j'approuve, parce que la situation est devenue très mauvaise et que beaucoup de citoyens étaient en danger, beaucoup de gens, et qu'il a été décidé de protéger la vie des gens. C'est une défaite cuisante pour les militaires et les policiers. Pourtant, je comprends leur point de vue. La décision d'annuler l'arrestation a-t-elle entraîné la fin des hostilités entre les deux camps? Pas du tout. Le cartel était manifestement en colère contre la tentative de mettre Guzmán López derrière les barreaux. Dans ce genre de situation, on fait quelque chose. Il s'agit généralement d'une action sanglante et meurtrière. La mort de Sandoval. Avance rapide jusqu'au 6 novembre. Eduardo Triana Sandoval se trouve dans un centre commercial de Culiacán. Il est assis dans sa voiture, une Nissan blanche. Selon les rapports, il n'est pas en service, ayant terminé son quart de travail environ 15 minutes plus tôt. Il aurait son arme sur lui. Il est 19h15. Avait-il l'intention de faire des courses? Il attendait peut-être quelqu'un. Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il s'agit des derniers instants de Sandoval. Sa voiture a apparemment été suivie dans le centre commercial par une berline rouge, dans laquelle sont assis les assassins de Sandoval. Certains rapports disent qu'ils sont deux, d'autres qu'un groupe a voyagé dans la voiture ce soir-là. Lorsqu'ils sortent de la voiture, munis d'armes semi-automatiques, le spectacle est choquant et violent. Un homme porte un AR-15 et un autre un AK-47. S'approchant de Sandoval dans la Nissan, il déclenche l'enfer. Sandoval est aspergé de 155 balles. Il existe une vidéo de surveillance de l'attaque, mais je ne vous la montrerai pas car elle est trop pénible. Sandoval avait-il remarqué qu'il était suivi? Là encore, je ne peux pas spéculer. Tout ce dont nous disposons, ce sont les images. Tout s'est passé en moins d'une demi-minute. La vie d'un homme lui a été enlevée de la manière la plus brutale et la plus abrupte qui soit. Le policier ayant participé à l'arrestation d'Ovidio Guzmán López. On a naturellement supposé que c'était la raison de sa mort. Les cartels n'hésitent pas à assassiner tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Un meurtre par vengeance? Je dirais qu'il y a fort à parier que Sandoval a été exécuté à cause de ce qui s'était passé le mois précédent. Il ne semble pas y avoir d'informations contraires. Son visage était clairement connu, et ce n'était probablement pas un secret qu'il était membre de la police. Le rôle important de Sandoval dans les forces d'élite pourrait également l'avoir distingué. Je ne veux pas trop spéculer, mais vous pouvez certainement faire des suppositions raisonnables sur ces questions. Sandoval est dans la rue le jour de l'arrestation de Guzmán López, et, quelques semaines plus tard, il est abattu. Il ne peut s'agir d'une coïncidence, n'est-ce pas? Le secrétaire à la sécurité publique, Cristobal Castañeda Camarillo, a commenté l'histoire en précisant le rôle de Sandoval dans l'opération. La participation des autorités de l'État de Sinaloa visait à répondre aux différents rapports sur la présence de personnes armées dans différentes parties de la ville. Cet élément de l'unité n'a donc pas participé directement à une quelconque détention le 17. Cette tâche incombait aux autorités fédérales. Ce sont les militaires qui ont encerclé la maison où se trouvait Guzmán López. Ce que Camarillo dit, c'est que la police a apporté son soutien pendant le chaos qui s'est ensuivi. Les policiers et Sandoval n'ont pas été directement impliqués dans l'arrestation. Cette explication ne signifie probablement rien pour le cartel de Sinaloa, s'il est à l'origine de la mort de Sandoval. Je ne peux pas affirmer que c'est absolument le cas pour des raisons évidentes, mais je suis sûr que vous pouvez prendre en compte toutes les preuves de cette vidéo et vous faire votre propre opinion. Le décès a eu lieu à la suite d'une arrestation ratée. Il convient toutefois d'ajouter que Guzmán López n'a pas eu autant de chance. En janvier 2023, il a été arrêté et, cette fois, les autorités ont gardé la main sur lui. Je vais vous expliquer comment cela s'est passé. Arrestation de López en 2023. Le 5 janvier, Ovidio Guzmán López et 17 autres personnes ont été capturées par les militaires. Ils l'avaient surveillé pendant les 6 mois qui ont précédé l'opération. Un raid a ensuite été lancé sur son domicile dans le quartier Jesús María de Culiacán, avant l'aube. Il a été emmené à Mexico pour y être officiellement examiné, puis un avion l'a transporté jusqu'à la prison fédérale de haute sécurité Altiplano, dans la ville d'Almoloya de Juárez. Altiplano est un mot espagnol qui, traduit en anglais, signifie « haute plaine ». Comme l'a rapporté la BBC, l'arrestation du baron de la drogue a donné lieu à une explosion de violence choquante. Les routes d'accès ont été bloquées par des véhicules en feu. L'idée était d'entraver la progression de la police. Des pillages ont eu lieu dans la ville, alors que des appels étaient lancés pour que les gens se mettent à l'abri. Pendant ce temps, les aéroports ont été fermés, des combats ayant eu lieu sur une piste d'atterrissage, entre autres perturbations graves. Je suis désolé de dire qu'environ 29 personnes sont mortes avant que les choses ne se calment et que Guzmán López puisse être légitimement considéré comme un prisonnier. Parmi les victimes, on compte 10 soldats et un policier, sans compter les membres des gangs. De nombreuses armes et véhicules ont également été pris par les autorités. Guzmán López aurait été transporté à Mexico en hélicoptère car on estimait qu'il était trop risqué de voyager sur la terre ferme.
fin février, on a appris que les États-Unis avaient demandé l'extradition de Guzmán López. Il est accusé de codiriger le cartel de Sinaloa, de distribuer de la drogue et d'avoir organisé le meurtre d'une chanteuse. Pourquoi voulait-il la mort de la chanteuse? Parce qu'elle ne voulait pas se produire à son mariage? Si cela ne vous rappelle pas à quel point il est dangereux d'être lié, même vaguement, au cartel, je ne sais pas ce que c'est. Eduardo Triana Sandoval voulait s'opposer de manière beaucoup plus proactive à leur influence et il a tragiquement été tué au cours de ce processus. Vous voulez en savoir plus sur les cartels de la drogue mexicains et les personnes qui les combattent? Voici quelques-unes de nos autres vidéos qui explorent en profondeur les histoires qui se cachent derrière les gros titres.